Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, nouvel épisode de Cariton. Pas Henri en fait, Cariton Kevin. Les gars, je suis tombé dans un traquenard. Je mytho pas cette fois. Là, je sais qu'il va se passer quelque chose d'incroyable. Je sens que je vais me faire tomber. Donc aujourd'hui, on va faire découvrir League of Legends pour la première fois à Kevin. On va d'abord lui inculquer les bases du jeu. Hein. Donc on va faire quelques parties où je lui apprends à jouer ADC. On va partir en duo bot lane sur la bot lane. C'est quoi la bot lane? Il y a un support et un ADC. On appelle ça comme ça. C'est un mec généralement qui a un flingue et qui fait masse dégâts. C'est eux qui appliquent les dégâts. Et moi, je suis là pour te soutenir. Moi j'ai un flingue. C'est ça, t'as un flingue. Ok les gars, ça va bien se passer. T'as un flingue, mais c'est aussi un rôle très difficile parce que ça va te demander beaucoup de stratégie et beaucoup de skills de positionnement. On va faire combien de games là aujourd'hui? Là aujourd'hui, je pense qu'on va en faire 3-4. Est-ce que à la fin de la quatrième game, il y a des chances que je sois fort? Vous en pensez quoi le chat? Il n'y a pas de chance que je devienne vraiment fort, mais il y a peut-être une chance que je vous surprenne de par mon niveau acquis en 4 parties, c'est possible. Au lieu d'être nul à chier, je suis juste nul. On va mettre nos casques. Allez, let's go. Non, par contre, c'est dans l'autre sens, le casque. Dans l'autre sens? Le fil à gauche. Excusez-moi. Prends Miss Fortune, tiens. Ban, attends. H. Quoi? Il a tapé H, la lettre. Je sais pas, tu m'as dit H. J'ai écrit H, tu vois. Tu me dis H. J'ai écrit H. Pourquoi tout le monde ne fonce pas au centre? Alors ça peut être une stratégie, mais c'est pas efficace parce qu'après il y a une notion d'XP. Tu sais, si on commence niveau 1 tous ensemble et qu'on va tous ensemble au mid, l'expérience va être répartie sur les 5 champions. Ce qui fait que on va... L'expérience. En fait, on part du niveau 1 et notre but c'est d'aller jusqu'au niveau 18. On peut monter jusqu'au niveau 18 en tuant des monstres. On va d'abord suivre le jungler pour l'aider. Il suive, comment t'avances? T'avances en faisant clic droit par terre. Clic droit. Ah, clic droit, ok, d'accord. Ton but, c'est de terminer ces sbires et de leur donner le dernier coup pour gagner de l'argent. C'est extrêmement important que toi, tu aies de l'argent, d'accord? Et donc, en gros, ce que je disais, c'est que... Et là, je cours. Oui, là, tu cours, tu reviens vers moi, ok. Attends, là... Comment je fais quoi? Tu sais, il y a un petit plus au-dessus de tes sorts en bas à droite. Enfin, en bas. Mais il me dit tout après! Il y a un petit plus, il y a un Y pour suivre ton perso. Ah ouais, t'as pas acheté. Oh non, j'ai oublié de te dire d'acheter des stems! Donc. En gros, non, mais les gars, c'est sérieux cette histoire là? Vas-y, nickelé, vas-y Kevin, focus la DC. D. Je sais pas c'est qui la DC, focus la DC, il me fait des blagues, mais faut que je fasse le tuto en fait. Faut qu'il fasse le tuto. Strictement rien, là je comprends rien à ce qui se passe. Pourquoi? On va tirer sur sa propre base. On peut pas! Ah merde! On peut pas tirer sur sa propre base! Les gars, est-ce que je suis. Les gars, j'ai utilisé mon ulti. Allez, ça dégage ça. Je pense que tu peux appuyer sur oui ici là. On peut abandonner cette game. Moi je joue, je m'en bats les couilles. Je suis au niveau 8, j'ai mon ulti, je vais le balancer, y'a pas de soucis. C'est bien, tu pars avec la bonne mentalité, hein, never surrend. Bon les gars, pour une première game, c'était comment? Soyez honnête, est-ce que c'était éclaté ou c'est tout à fait normal d'être nul comme ça en première game? Éclaté. Normal, regarde, c'est écrit, c'est normal. Éclaté. Mais en réalité, faut faire des bacs réguliers. Ah, mais bac, c'est 8 secondes de jeu, j'abandonne mes frères pendant 8 secondes. Les gars, c'est ça le problème. Moi je suis trop à fond, les gars, vous voyez? Moi on est là, on va à la guerre, on y va ensemble. Henri, il est là, B tout le temps, dès que ça se passe pas bien, B, je retourne à la base. Ça, je suis un déserteur, je me soigne, voilà, tu vois, genre, on est les frères, on reste là, on gagne ensemble, on meurt ensemble, vous voyez. Ah, t'as pris 3 lames de Doran. Alors, c'est pas stratégique d'acheter tout le temps, mais... Ah, t'es parti de la botline aussi. Tu m'as laissé tout ça? Attends, là, tu vas te faire insulter. Qu'est-ce que... J'ai changé de stratégie, tu comprends? Non, c'est bon, je reviens dans ma zone. Mais là, t'es en train de revenir vers la ligne ennemie, là. T'es dans la jungle ennemie. T'inquiète. Ça va se passer. Est-ce que je... Ah, je suis pas encore niveau... Tu peux pas taper la T2 si t'as pas détruit la T1 avant? Ah! Je sais pas, je me suis dit, je vais arriver tout seul devant la base. Je vais exploser la base. Attends, là, par contre, on est mort, là. Attends, merde, j'ai 9... Attends, cours, j'ai plus de lanterne. Oh, t'es mort. Oh, fais chier. Attends, ah! Je peux t'aider. Ah là, je t'ai sauvé là. Attends, alors là, je t'ai sauvé. Ok, c'est bon. Bon, je meurs pour toi. Hein. Tu es censé te remercier ou c'est comment? Je sais pas. Peut-être. Putain. Je voulais retourner à la base. Bon, ça s'est pas bien passé. Oh merde! Putain de merde. Alors qu'est-ce que t'en as tiré de cette partie? On a tiré que tu me défends très mal déjà. T'as aucun leadership. T'es à l'ESSEC, école de management. Tu sais pas manager tes équipes. Mais je sais, tu es. À quoi te payer 20 000 euros l'année? Je lui explique 20... tout. Si nous gang, ça veut dire qu'il vient nous aider. On prépare le gang, c'est moi qui fonce en premier. Et maintenant tu me suis. Let's go. Mets tout sur Lucian. Tout sur Lucian. T'es sort sur Lucian. Lui là. On switch. Oui. Ah merde. Il est mort lui. C'est moi qui est mort. C'est toi. C'est moi qui suis mort. Ah merde. Ah c'est dommage. Mais qu'est-ce qu'on a mal fait là? Quand je t'ai dit fonce sur Lucian. Ah j'ai foncé, foncé sur Lucian. J'ai dit fonce sur Lucian, moi je sais pas, moi j'ai foncé sur le premier que je voyais en fait. Ah putain, Orn qui est en train de push le top aussi. Viens avec moi en top lane maintenant. Attends, reste en retrait, hein. Reste en retrait, fais très attention. Ah merde, y'a Graves. Ah Enfuis-toi. T'es allé vers eux. J'ai voulu appuyer sur R.
Merde. T'en as pensé quoi? J'ai une question. Est-ce que c'est à cause de moi qu'on a perdu ou est-ce que en mid lane et en top lane ils sont éclatés? Non, non, en fait on les a vraiment mis trop mal. Donc toi avec Senna, tes sorts, si jamais tes sorts touchent les ennemis, ça leur met des dégâts. Par contre, si jamais ça nous touche nous, ça nous heal, ok? Senna, c'est pas vraiment un ADC, c'est plutôt un support. Et pourquoi y'a le mec du Roi Lion qui me suit? Qu'est-ce qu'il fait? Mais lui là, qu'est-ce qu'il fait là? Pas mal le flash. Bon, en tout cas, ça va, le jeu il t'a plu ou pas? Ouais, le jeu il est cool. Je comprends pourquoi il y a une addiction de ouf autour. Pourquoi il y a tellement de gens qui me tuent. Mais ouais, le jeu il est très sympa. Tout ce qu'il m'a fait aujourd'hui c'est de la vengeance parce que je l'ai écrasé sur Animal Crossing. Je l'ai écrasé et là il s'est dit, vas-y, pendant 3 heures je vais me payer sa gueule. J'étais même pas en train de me foutre de ta gueule, j'étais vraiment. J'essayais de t'aider. Tout ce que j'ai à dire, 100 000 euros pour 5 ans d'études. Bon, enfin bon, voilà, tout ça, ça clôture le premier épisode de Cariton Kevin. Bon, écoute, on va peut-être refaire un. Dernier épisode, honnêtement, je pense. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à venir me suivre sur Twitch, les liens sont dans la description, et moi je vous dis à très bientôt pour des lives. Peace.